Pour célébrer l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons, à l'instar du prophète Zacharie, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, un sauveur, oui, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, et nous invitons notre bien-aimé sœur, Rebecca Dimanche, à nous conduire dans les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 40 de la section française des chants d'espérance. Dans les chants, le berger veille aux approches du matin. Quand la nuit, quand la brise à son oreille apporte un écho lointain, et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Paix aux hommes en tout lieu, le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux, dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Sœur Rebecca Dimanche, cantique après lequel notre bien-aimé pasteur Christophe Dorville nous conduira en prière. Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux, dont la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Berger, pourrez-vous comprendre l'amour du Dieu Tout-Puissant qui pour vous daigne descendre à n'être que faible enfant? Un enfant que la souffrance saisira dès le berceau, qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour sauver l'âme coupable, le Verbe victorieux naît dans une pauvre étable. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. En chantant l'hymne nouvelle, l'ange au ciel s'est envolé, et sous la voûte éternelle, le berger reste isolé. Mais ravi du saint mystère, son cœur murmure tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le sauveur ne s'en va pas. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dans ses langes, pour ce don si précieux, chantons tous comme les anges, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Seigneur, en cette soirée si spéciale,
Nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé, né dans une étable misérable, afin que nous puissions être parmi les élus. Merci, Seigneur, car tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Oh, la Bible déclare un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Seigneur, en cette soirée, nous voulons te remercier pour la vie. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton fils Jésus-Christ que tu as envoyé parmi nous, pour vivre avec nous, Seigneur, de façon à ce qu'il puisse en comprendre et connaître la souffrance de l'homme. Et ainsi, quand il doit mourir, il a porté à la croix nos pas, fardeaux, nos péchés, nos fautes. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée. Nous voulons remettre entre tes mains ce service tout à fait spécial. Nous remettons entre tes mains les dirigeants, Seigneur, de ce service. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, de tout ce que nous avons à faire tout au cours de ce service. La lecture de ta parole, la prière, Seigneur Dieu, la méditation de ta parole et tout ce que nous avons à faire au cours de cette soirée, que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis pour nous les cantiques, bénis pour nous, Seigneur Dieu, les pasteurs de cette assemblée, les pasteurs dormés, bénis pour nous, Seigneur Dieu, tous ceux qui nous écoutent au loin, et que tu sois avec nous tout au cours de cette soirée, tout au cours de ce service, et permets à ce que, Seigneur Dieu, quand ce culte aura terminé, nous puissions dire ensemble, c'est ici la soirée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, bénis pour nous et assistez-nous. Guidez-nous et conduisez-nous. Nous t'en prions, Seigneur, nous en vertu de nos méritoires. Mais nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus, lui qui vit, qui règne, de maintenant au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous voulons chanter. Chanter à la gloire de celui qui s'est incarné pour le salut de vous et pour le salut de moi qui vous parle ici ce soir. Nous allons entendre des cantiques entrecoupées de lectures relatives à la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous écouterons tour à tour le frère Wilkinson Cessant. Et la première lecture sera suivie par le diacre Jean-Marie François en Ésaïe 9, allant du verset 1er au verset 5. Et tout de suite après, la sœur Rebecca chantera pour nous. Et après la sœur Rebecca, ce sera le tour de notre bien-aimé frère Paul Compère qui lira en Matthieu le chapitre 1er, allant du verset 18 au verset 25. Et cette lecture sera suivie par un cantique chanté par la sœur Marie Bauzile et une troisième lecture sera faite par le pasteur Jimmy Dodin en Luc le chapitre 2, les sept premiers versets. Donc, nous allons maintenant ouvrir la ligne de notre bien-aimé frère Cessant, Rockenson Cessant. Keeping the sheep
On est comme une petite marée, ta propre phobie. Ésaïe, chapitre 9, les versets 1 à 5. Je lis pour vous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Parole du Seigneur. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter. Le monde entier
La naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus, parole du Seigneur. Amen. Mais une belle histoire. Christ est quitté tout droit. Il te gagne dans ciel. Non, l'Emmanuel.
l'el fèt nan krech la. Mon yo pat konbran sa. Sou la tèl li pase an pil traka. Alam remeli. Mwen adore li. Jésus, c'est tout ça que mwen besoin. Grand créateur, Kevin, sauvez-moi. Moi connais bon Dieu, dans Jésus-Christ. L'été humilié pour nous capables de racheter. Les nous tenons fait noir, les nous sans espoir. Mon Dieu n'a grâce lui, t'es quitté toute gloire. Lui t'es venu chercher et sauver, non moins. Alam remeli, mwen adore li. Jésus, c'est tout ça que mwen besoin. Grand créateur, divin, sauvez-moi, moi qu'on est bon Dieu, dans Jésus-Christ. Dans grand bonté, pour nous Christ, t'es souffri, sous forme d'un homme living. Pour montrer plan salut. C'est un grand mystère, sacrifice sous calvaire. Christ seul qu'on satisfait besoin que moi. Alors, moi même, mwen adore li. Jésus, c'est tout ça que mwen besoin. Grand créateur, t'es venu sauver moi. Mwen connais bon Dieu. Jésus-Christ, Alam remeli, mwen adore li. Jésus, c'est tout ça que mwen besoin. Grand créateur, t'es venu sauver moi. Moi connais bon Dieu, dans Jésus-Christ. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville.
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison de David et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils, son premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. La deuxième série commence avec le frère Hawkinson. Son cantique sera suivi par le frère Moïse dans la lecture. Puis nous aurons notre bien-aimé sœur Bozil. Et la lecture d'après se fera par votre serviteur. Et enfin, la sœur Rebecca Dimanche aura à chanter pour terminer cette première partie de notre service de Noël. Nous allons maintenant ouvrir la ligne de notre bien-aimé frère Cessant. Thank you.
chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe que vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Amen. Jésus t'est fait dans une crèche misérable. Quel était doux et paroli et mal. Maltraité li, mouri quand yo coupable. Jésus, Seigneur béni, merveilleux, merveilleux Jésus, yon vrais amis, jusqu'à la fin, li au fricol, pour moi gagner la vie. Jésus, Seigneur béni. Dans l'oreille, c'est l'issel qui bat la paix. Grand goût à soif, c'est lui qui satisfait. Les tentations, lui bat grâce. Nécessaire, Jésus, Seigneur béni, merveilleux, merveilleux Jésus, yon vrais amis, jusqu'à la fin, li au fricol. Pour moi, j'ai la vie, Jésus, Seigneur béni. J'ai amis tout le monde, mais en pile renier. Nous aide pour faire bio, l'été humilié. Lumière le monde. C'est lui crucifié, Jésus, Seigneur béni, merveilleux, merveilleux Jésus, nos vrais amis, jusqu'à la fin, lui au fricol. Pour moi, gagner la vie, Jésus, Seigneur béni, précieux, précieux Jésus, amis certains, jusqu'à la fin, li au fricol. Pour moi, gagner la vie, Jésus, Seigneur béni.
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que les bergers leur disaient. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Soirée spéciale consacrée à la célébration de la Noël, l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons inviter notre bien-aimé frère, le diacre François, à faire une courte prière, prière qui sera suivie par le cantique Salut Blanche Étoile. Et tout de suite après, ce sera le tour de notre bien-aimé pasteur Wisner Séraphin, qui présentera une méditation appropriée à la circonstance. Diacre Jean-Marie François. Amen. Prions Dieu. Dieu d'amour, Dieu de grâce, toi qui fais miséricorde à tes serviteurs, toi qui nous bénis, toi qui nous sauve, nous sommes en ta présence ce soir pour t'adorer comme
les bergers, ils se joignirent aux anges. Nous aussi, les serviteurs, nous nous joignons à eux pour t'adorer parce que tu étais venu pour nous sauver. Cela a été l'une des composantes du plan de salut que tu as fait pour nous. Tu devrais être incarné, être homme. Tu devrais mourir et tu devrais ressusciter pour nous donner la vie. Seigneur, ce soir, nous sommes encore en ta présence pour te remercier pour cette grâce que tu nous as faite, pour ce don que tu nous as donné, à savoir, nous pouvons dire que nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, ton héritage. Seigneur, nous te présentons tes serviteurs, nous te prions, ô Père, de nous bénir ce soir. Merci pour tout ce qui a été fait, pour les chants, pour les lectures. Et Seigneur, tu auras à nous parler à travers ton serviteur. Nous te demandons, ô Père, de nous donner une parole de victoire, une parole qui peut nous aider à aller au chaque jour, Seigneur Dieu, avec plus de détermination, plus de force, pour vivre pour toi, par toi et en toi. Bénis ton peuple ce soir. Pasteur Dormé, sa famille, nous te les présentons, Seigneur. Bénis tout, ô Seigneur Dieu, ses collaborateurs. Pasteur Séraphin qui aura à nous parler. Nous te demandons, ô Père, de loindre de ton esprit pour qu'il puisse trouver le chemin de notre cœur. Parle, Seigneur, et merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Blanche étoile, ô plus haut du ciel, rayonne sans voile, splendeur de Noël. Venez, tendre enfance, que chant d'espérance. Venez, tendre enfance, que chant d'espérance de vos cœurs s'élance jusqu'à l'éternel. Ardente jeunesse, louez le Seigneur, tremblante vieillesse, n'ayez point de peur. Dieu même au mystère se fait notre frère et vient sur la terre sauver le pécheur. Le Fils adorable, lui le roi.
meurt sur une croix. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons faire la lecture en rapport avec la méditation de ce soir. Et cette lecture, nous la trouvons dans l'épître de Jean au chapitre 1er. Nous lirons d'abord les 5 premiers versets et ensuite nous enchaînons avec les versets 9 à 14. Jean chapitre 1er, versets 1 à 5, et ensuite 9 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La lumière luit dans les ténèbres. S'il y a une parole qui nous permet de comprendre ce qui va arriver parmi nous,
c'est peut-être celle de l'évangile de Jean. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il est question de ténèbres, de nuit, de lumière. Par imagination, nous avons devant nous la crèche. Seule la grotte est éclairée par une faible lumière. Et autour, c'est l'obscurité. Les ténèbres sont la confusion, le manque de sens, la tentative pour construire notre vie et nous organiser avec nos propres forces. Souvent, cette tentative aboutit à l'amertume et au désespoir. Les ténèbres qui se trouvent en nous et hors de nous sont le manque de raison d'espérer et de vivre. Nous nous traînons de jour en jour en espérant une amélioration qui ne vient jamais. Nous nous préoccupons des petites choses quotidiennes sans pour autant jamais réfléchir profondément à l'essentiel dans notre vie. Le texte dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus s'est désigné lui-même non seulement comme la lumière du monde, mais aussi comme la lumière de la vie. Le symbole de la lumière occupe une grande place dans l'histoire de la rédemption. L'apôtre Jean se sert souvent du mot lumière pour dépeindre le rôle du Christ dans l'œuvre de la création. Voyez combien la lumière est importante. Dans le monde que nous habitons, il ne peut y avoir vie sans lumière. Si le soleil cessait de luire, toute végétation, toute vie animale cesserait. Dans notre texte qui sert de démarche à la prédication de ce soir, l'apôtre Jean dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cependant, dans ce même passage, Jésus eut à dire, je suis venu comme une lumière dans le monde. Ce n'est pas assurément une grande lumière. Mais nous savons tous que dans l'obscurité, il suffit d'une petite flamme pour éliminer la peur. Cette lumière qui luit dans les ténèbres n'est pas chose fortuite. Elle est une réalité personnelle et vivante qui nous arrache à la confusion et au non-sens pour nous indiquer une direction, pour nous donner la capacité de marcher, d'avancer et de voir où nous allons. La lumière qui luit dans les ténèbres n'est pas une lumière abstraite, une vérité générale ou une simple exhortation à nous aimer. Elle est une réalité vivante, personnelle. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Les ténèbres n'ont pas éteint cette lumière, dit l'Évangile. Une fois qu'elle est allumée dans le monde, une fois qu'elle est allumée en nous, une fois qu'elle est allumée dans la famille, une fois qu'elle est allumée dans la société, il n'y a plus de force qui puisse l'éteindre. Cette lumière
qui luit en nous et que nous devons sentir en nous est la certitude que Dieu aime en Jésus-Christ notre monde, notre société, notre vie. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. J'aimerais vous dire ce soir que chacun a ses jours de ténèbres ou d'obscurité. Ténèbres pas dans le sens où le soleil ne se lève pas de façon littérale. Même si vous voyez le soleil se lève et éclaire la terre, mais il ne se lève pas dans notre vie. Ténèbres, il se peut que ce soit des jours de déception. Dans Job 30, 26, il est dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Ténèbres, il se peut que ce soit des jours de détresse, d'affliction, d'embarras. Au psaume 22, verset 1er, il est dit, j'ai crié et personne n'est venu à mon secours. Il se peut que ce soit des jours de doute. Cela nous pousse à poser des questions. Il se peut que ce soit des jours de dépression, de découragement. Comme dans Lamentations au chapitre 3. Il se peut que ce soit des jours d'antidote, comme dans 2 Samuel au chapitre 22. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Mais ce soir, je dois vous dire que la lumière a brillé. Je dois vous dire que cette lumière qui luit dans les ténèbres, c'est la bonne nouvelle de Noël. La bonne nouvelle de Noël, la lumière de Dieu est venue. Elle est venue pour faire quoi? Pour éclairer la nature de Dieu. Dans Jean 18, verset 37, la parole de Dieu dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Dans Jean 1er, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Et en Luc 2, 32, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. La bonne nouvelle de Noël, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dans Jean 3, 16, texte que nous avons tous à la mémoire, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean, au chapitre 1er, dans 1 Jean 4, verset 9, il est dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pour lui. Cette bonne nouvelle nous permet aussi d'avoir une relation avec Dieu. Dans Romains 5, 11, l'apôtre Paul dit, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et dans Galates 3, 26, Paul dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comment Jésus peut-il chasser nos ténèbres? Il peut chasser nos ténèbres lorsqu'il nous encourage quand nous sommes déçus.
C'est pourquoi le psalmiste, dans Psaume 34, verset 18, nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Il peut chasser le ténèbre quand il nous rend fort lorsque nous sommes en détresse. Paul nous dit en Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Comment peut-il chasser le ténèbre? Il nous guidera quand le doute nous assaille. Dans Jean 8, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et dans le psaume 119, verset 105, la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment Jésus peut-il chasser nos ténèbres? Il nous changera quand nous nous sentons découragés. À 1 Jean 2, 8, les ténèbres se dissipent et la lumière paraît déjà. Les ténèbres se dissipent et la lumière paraît déjà. Dans un monde souvent assombri par le péché, la présence de Christ demeure notre vraie espérance et la lumière qui nous guide. Alors que nous allons approcher vers une nouvelle année, nous avons l'impression que les ténèbres règnent toujours sur le monde. Si nous regardons autour de nous, nous voyons sous le couvert des ténèbres un brutal désintérêt de la société pour le caractère sacré de la vie humaine. Nous vivons dans une culture continuellement empoisonnée par la violence. Nous voyons les ténèbres du péché dans notre Église. Nous sentons aussi l'obscurité du péché dans nos cœurs et dans nos maisons. Cependant, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Nous vivons dans un monde que le péché a assombri, un monde qui a tourné le dos à son Créateur. Et la lumière nous est nécessaire. Jésus qui est venu redonner à toute la création, y compris à l'humanité, la place qu'il lui destinait, s'est désigné lui-même comme étant cette lumière. Il a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. En lui, nous avons non seulement la lumière du salut, mais encore la seule lumière par laquelle il nous est possible de retrouver notre chemin, sa voie au sein des ténèbres spirituelles de notre monde. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire ce soir que Jésus est la lumière du monde. Son ministère public tirait à sa fin. Les ténèbres de la nuit approchaient et les puissances du mal allaient dominer sur les hommes. Celui qui meurt dans les ténèbres, c'est le non-croyant qui passe sa vie à trébucher sans connaître le sens véritable de la vie ni où elle mène. Or, les gens avaient le privilège de croire à la lumière, c'est-à-dire en Jésus, et de devenir les enfants de la lumière, c'est-à-dire ses disciples. Jésus est venu nous apporter la vraie lumière. Une lumière qui apporte espoir, une lumière qui apporte force et consolation, une lumière qui apporte la foi, une lumière qui apporte encouragement. Dans nos vies, il y a aussi des saisons
dans nos vies. Il y a des moments où tout semble fade, terne, et nous marchons de pas incertain, comme dans le brouillard. Mais je vous dis ce soir que Christ est la lumière. Cette lumière, nous dit l'apôtre Jean, c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Est-ce que cette lumière éclaire votre vie ce soir? Est-ce que cette lumière éclaire votre famille? Est-ce que cette lumière éclaire votre maison? Est-ce que cette lumière éclaire votre église? Cette lumière, c'est la véritable lumière. Frères et sœurs, bien-aimés, je vous encourage ce soir à ce que cette lumière puisse briller dans votre vie. Et comment? Et comment cette lumière pourrait briller? C'est d'abord accepter celui qui était venu prendre naissance dans une pauvre table. Celui qui était venu sur la terre pour restaurer l'humanité perdue. Celui qui était venu sur la terre pour prendre toutes sortes d'humiliations afin que vous et moi, nous puissions participer à sa gloire. Ce soir, alors que nous fêtons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous encourage à l'accepter dans votre vie. Nous ne savons pas ce que demain apporte. Nous ne savons pas ce que les heures qui viennent nous réservent. Mais je vous encourage ce soir à ce que cette lumière puisse briller dans votre vie. Car si cette lumière n'est pas en vous, ce serait l'échec total, ce qui n'est pas souhaitable. Faites l'expérience de cette lumière. Cette lumière qui est la véritable lumière, qui était venue dans le monde pour éclairer tout homme. Que Dieu vous aide à faire l'expérience de cette lumière, qu'elle brille dans la vie de tout chacun. Que le Seigneur vous bénisse tous. Abondamment. Amen. Amen. Jésus vint et il nous apporta la lumière. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce Jésus est notre frère. Il a vécu parmi nous. Il a pris notre misère. Il est mort pour nous. Sa charité nous enlace. Il veut rayer sur nos cœurs. Sachons accepter sa grâce. Que Jésus soit notre sauveur. À nous d'écouter ce saint cantique. Ce sont les paroles du cantique que nous invitons notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche à chanter à la gloire de Dieu et à l'édification de chacun de nos sœurs.
Rebecca, dimanche. Écoutez ce cantique, vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. Conseil du tabernacle de Dieu de Long Island, au nom des membres de ma famille, au nom de ma femme et à mon nom personnel, je souhaite à chacun de vous un joyeux Noël en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et maintenant, nous invitons notre bien-aimé frère, le pasteur Jimmy Dodin, à prononcer sur le peuple de Dieu, la bénédiction. Pasteur Jimmy Dodin. La lumière, lui, est dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole, dès à présent et pour toute l'éternité. Amen.
Le nègre est nègre, le blanc est blanc, Dieu n'est pas nègre, Dieu n'est pas blanc. D'accord, bonne vision. Descends.
descendit jusqu'à nous pour effacer la tache originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il vit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer qui lui dira notre reconnaissance. C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Chantons